Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire, une série qui est consacrée aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Alors, ce soir, il sera question de Joseph Armand Bombardier et des précurseurs du Québec Inc. Alors, originaire de Valcourt, un petit village des Bois-Francs auquel il sera fidèle toute sa vie, euh, Joseph Armand Bombardier est né en 1907 et il est mort prématurément. En 1964, cet inventeur, ce patenteur, hein, ce, ce, cet entrepreneur surtout, est à la tête, euh, a monté une entreprise et il a légué, il nous a légué une grande multinationale. C'était pas le cas de son époque, mais maintenant, on peut parler vraiment d'une grande multinationale qui a enregistré des revenus en 2014 de 20 milliards de dollars et qui fait travailler, qui faisait travailler en 2014 74 000 personnes à travers le monde. Vous imaginez. C'est une entreprise qui est donc mondialement connue et qui porte le nom de ce personnage. Alors la vie de Joseph Armand Bombardier a été tout sauf un long fleuve tranquille. Ça a été une vie évidemment très mouvementée. C'est que bien avant l'invention du skidou, tout le monde le connaît à cause du skidou qui a fait évidemment sa renommée et sa richesse ainsi que celle de sa famille. Mais le ski c'est quelque chose qui survient finalement assez tard dans sa carrière d'entrepreneur. Ça, peu de gens le savent. Donc, avant d'en arriver à ce grand succès, eh bien, il a dû changer plusieurs fois de modèle d'affaires. Il a dû aussi affronter souvent une concurrence féroce. Il a aussi connu, comme tous les entrepreneurs, des périodes très creuses. Donc, pour nous parler de ce, de ce personnage, de cet entrepreneur très tenace, nous avons invité un spécialiste de la consommation et du marketing, qui est professeur titulaire à HEC Montréal et qui connaît très bien euh, l'histoire de nos grands entrepreneurs, c'est quelqu'un aussi de très engagé dans la communauté que vous avez sûrement déjà entendu à la radio qui commente souvent l'actualité. Donc je vous prierai d'accueillir avec beaucoup de chaleur monsieur Jacques Nantel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, euh, écoutez, Jacques Nantel, on va commencer un peu par la fin. Euh, on va commencer par la fin par la fin de, de la vie de, de Joseph Armand Bombardier. Euh, il y en a qui disent que dans les derniers moments d'une vie, euh, il, y a, il y a là des, des passions essentielles qui peuvent parfois euh, s'exprimer. Et on, on, peut, on peut penser que c'est le cas de Joseph Armand Bombardier. Parlez-nous des derniers moments de cet inventeur de génie. Oui, tout à fait. En fait. Euh... S'il si, euh, est vrai que l'on meurt souvent tel qu'on a vécu, ça a été particulièrement le cas pour Joseph Armand Bombardier. Euh, ce que je vais vous raconter a déjà été relaté, mais ça vaut la peine encore de le mentionner. Euh, Joseph Armand Bombardier est décédé à l'hôpital à, à Sherbrooke euh, euh, en 64 euh, de manière prématurée, comme vous l'avez mentionné. Euh, il était euh, atteint d'un cancer de l'estomac et sur ses derniers jours, il était alité. Et euh, il regardait, comme on est souvent lorsqu'on est à l'hôpital, il était euh, sous perfusion, et il regardait le goutte à goutte qui, euh, qui, qui l'alimentait. Puis il avait remarqué que les gouttes tombaient de manière aléatoire. Et ça, ça l'embêtait. Là, on, on est trois jours avant son décès. Hein. Puis, par un, puis, littéralement, il a pris les tuyaux, il a commencé à en faire des boucles, jusqu'à ce qu'il puisse réguler, littéralement, son goutte à goutte. Lorsque son médecin est rentré dans la salle, dans la chambre, pardon, bien, il lui a dit Docteur, je pense que c'est pas normal que ça tombe de manière aléatoire. Le docteur a dit Oui, effectivement, mais on a bien de la difficulté à contrôler ce truc-là. Il a dit On pourrait peut-être prendre un brevet ensemble. <laughs> Donc, trois jours avant sa mort, oui. il avait un brevet en tête. Oui. Évidemment, il n'a pas fait homologuer. Il a pas celui-là. Pas celui-là. Celui on, a, on a le sentiment, jean Nantel, on a le sentiment que la vie, bon, la vie de Joseph Armand-Bombardien a été un peu plus documentée mais qu'en général, les grands, les grands entrepreneurs de son calibre qui ont existé avant, disons, le Québec Inc., euh, on les connaît finalement très peu. Ils ont ils n'occupent pas, ils, ils pas une place importante dans notre mémoire collective. Est-ce que c'est votre impression ici? Si oui. Comment vous expliquez le phénomène? Non seulement c'est mon impression, mais euh, lorsque vous commencez à creuser notre histoire économique, notre histoire entrepreneuriale, malheureusement, il y a très, très, très peu de choses qui ont été écrites. Euh, entre autres, et on va commencer par Bombardier, si vous voulez bien. Euh, on a ici plusieurs livres qui parlent de Bombardier, mais qui parlent de la compagnie Bombardier, mmh. qui parlent de l'entreprise Bombardier, notamment depuis son entrée en bourse de, en 67. Sur le personnage, joseph fermand Bombardier, il n'existe à peu près que deux biographies. C'est très peu. Si vous regardez d'autres entrepreneurs, comme entre autres, et on en parlera un peu plus tard, Sicard, qui lui avait à peu près à la même époque inventé la souffleuse à neige, bien, il n'y a rien d'écrit, ou pratiquement, enfin, il n'y a rien d'écrit. Euh, Faran, même chose. Euh, si vous regardez du côté de l'entrepreneuriat financier, euh, euh, quelqu'un, un, un géant comme Rodolphe Forgette, il y a très peu de monde. Il a été président de la Bourse de Montréal. En, en, notamment, ah, en, notamment. Euh, oui. la Société des Travaux, il, il y a eu beaucoup de choses qui ont été, qui ont été créées de son vivant. Aujourd'hui, il y a même très, très peu de personnes qui font le lien entre le domaine forgé et cette per ce personnage-là. Oui. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Je, on, on, on peut et on doit s'interroger là-dessus. Moi, j'ai deux hypothèses. Je pense qu'il y a toujours cette frilosité, euh, notamment des Canadiens français, des Québécois, à relater oui. euh, tout ce qui a trait à l'argent. Et puis il y a une deuxième, euh, il y a une, une deuxième hypothèse, c'est que les entrepreneurs qui n'ont pas réussi, ben on préfère les oublier. <laughs> puis les entrepreneurs qui ont réussi, peut-être sont-ils suspects. Ah, oui. Et ça, c'est malheureux hein, dans les deux cas. Euh, je vais vous avouer que même dans une institution que je connais bien comme les HEC, ben il y aura très, 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 très peu de monographies sur ces grands entrepreneurs. Euh, on, on résume souvent l'œuvre de Joseph Fernand Bombardier. On pense tout de suite au Skidou. On a l'impression que là, le skidoo, <laughs> c ça, 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 ça apparaît comme ça très rapidement et que voilà, c'est la gloire. Euh, c'est beaucoup plus. C'est finalement ce qui, ce qui est frappant quand on lit sa vie, c'est que c'est quelque chose qui survient finalement très tardif. Ah oui, ça, ça c'est fascinant de voir ça. En fait, trois dates vont nous aider à comprendre. Euh, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu. Euh, Joseph armand Bombardier est né en 1907, et il est mort en 1964. Lorsque je demande à des gens en quelle, en, à quelle année a-t-il fait breveter le, le skidoo oui. ben, Généralement, les gens vont me dire bon, ça va être 28, 29, 30, sûrement avant la guerre. Lorsqu'on dit que le brevet sur le skidou a été pris en 1960, ben, c'est fascinant. Parce que, dans le fond, ça a été breveté quatre ans avant son décès. Et là, la question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce qu qu'il a fait tout ce temps-là? Qu'est-ce qui l'a amené en 1960 Et c'est là où on découvre, ce à quoi vous faisiez référence, que l'histoire de bombardier l'entreprise, la fameuse, ce qui s'appelait à l'époque, les, les, les autonèges bombardiers limités, euh, que cette histoire-là, ce n'est pas, ce pas pardon, un modèle d'affaires, ce sont cinq modèles d'affaires qui se sont succédés, euh, tel que c'est le cas des grands entrepreneurs. Mmh. Euh, donc, cette résilience, cette capacité à faire rebondir littéralement un ballon continuellement, ben, c'est la, la marque des, grandes, des grands entrepreneurs. Mmh. Ça a sûrement été la marque de Bombardier, aucun doute. Alors revenons euh, aux origines. Donc 1907, euh, il est originaire de Valcourt, il va étudier un peu à Sherbrooke. Parlez-nous un peu de son milieu d'origine. Est-ce qu'il était, il, il a grandi dans un milieu euh, entrepreneurial Quelles étaient les ambitions de ses parents pour lui Qu'est-ce qu'on sait de ses origines Joseph Armand Bombardier est né sur une ferme. Euh, même déjà Valcourt c'était allé pratiquement à la ville. Euh, son père était, était un agriculteur. Euh, il est né dans une famille extrêmement modeste. Les personnes qui l'ont le plus influencé dans sa jeunesse, ce sont son père et ses oncles. Euh, c'était, je pense que le terme n'est sûrement pas péjoratif dans son cas, euh, c'était un patenteux. Mmh. Euh, une des choses qu'il avait faites, et ça c'est relaté dans, dans, beaucoup dans les articles de journaux que j'ai pu consulter et puis dans ses deux biographies, euh, très tôt, très jeune, à l'âge de 10 ans, il a pris ses économies, puis est allé chez l'horloger du village pour acheter tout ce que l'horloger pouvait avoir d'engrenages, de petits engrenages, pour littéralement se confectionner des jouets. Une locomotive, un petit train, un jouet. Euh, C'était quelqu'un qui était fasciné par la mécanique. Euh, de sorte que euh, très tôt, euh, en fait, à l'âge de, de 17 ans, il a abandonné son cours classique. Il était inscrit au cours classique à saint charles romée et euh, il a abandonné son cours classique parce qu'il il voyait aucun intérêt enfin il était soit de son un bon étudiant euh, mais il voyait aucun intérêt euh, dans la culture classique euh, les, euh, la, la littérature française grecque euh, et latine. Euh, lui ce qui l'intéressait c'est la mécanique. Alors à 17 ans, il est effectivement parti pour Montréal. En cachette, soit passer. Oui, hein, c'est une sorte de fugue. Oui, oui, il a fait une fugue, effectivement. Il est allé vivre chez un de ses oncles qui habitait, une de ses tantes, en fait, qui habitait à Montréal. Et il s'est enrôlé comme, comme aide mécanicien. En fait, sa première tâche a été de laver des voitures. Et là, on parle de 1917, donc c'était assez précurseur. Euh, pas, pas, pas 17, pardon, 1922. Euh, et euh, par la suite, ben, il a développé ses talents de mécanicien. Et il est revenu à Valcourt. Ça, c'est une chose qui est importante. Vous avez mentionné que Valcourt, pour lui, ça a toujours été très important, et on en reparlera euh, subséquemment, mm. Mais c'est vrai, Valcourt, c'est crucial. Encore aujourd'hui, BPR, les, les produits récréatifs bombardés, c'est encore à Valcourt. Mm. Ce n'est pas une coïncidence. Lui, c'était clair qu'il reviendrait à Valcourt. Il était parti à Montréal pour se développer comme mécanicien. Et donc, il va, il va, faire la, il va pas vraiment faire d'école, donc il va apprendre son métier. Il apprend sur le tas, littéralement, a, comme la... apprenti. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Et euh, est-ce qu'on sait s'il avait des, des modèles? ou Ses euh, modèles... modèles, en grande partie, il y a relativement peu de choses sur qui étaient ces modèles, si ce n'est justement les, euh, les personnes qui étaient très proches de lui. Euh, ses oncles, son père, euh, qui étaient eux-mêmes, à bien des égards, des patenteux. Euh, il est, encore une fois, né sur une ferme où on devait euh, composer on devait, avec, on devait se débrouiller. On a, on a aussi, dans, la, dans ce qu'on connaît en généralement de, de joseph Armand bombardier on a l'impression que l'élément déclencheur, que ce qui va faire de lui l'inventeur, le patenteux de génie, c'est un, un drame épouvantable la mort d'un de ses enfants mm -hmm. euh, qui survient le 17 janvier 1934, tempête de neige. Hein, et on, ouais. Et donc, c'est là qu'il se met à inventer euh, ce qui va plus tard, euh, hein, cette machine à les chenilles. Mais ce que vous montrez, c'est que c'est bien avant qu'on qu qu a des preuves, que c'est bien ah oui. avant qu'il ah commence. Bien, bien sûr. Ça, c'est la légende. Oui. C'est la légende, puis c'est toujours, toujours euh, percutant de penser que ton fils est en train de mourir, tu ne peux pas l'amener à l'hôpital, ce qui, ce qui est rigoureusement vrai. Ce boulet est vrai. Mais il faut, faut comprendre que... Ce n'est pas comme ça que ça s'est déroulé. Lorsque Joseph Armand Bombardier revient à Valcourt, euh, on est déjà à cette époque-là rendu en 25, 26, 27, euh, il revient à Valcourt et euh, il, il, il part un garage. En fait, son père l'aide à financer un garage, c'est de la mécanique automobile. Maintenant, 1929, à Valcourt, il n'y a pas tant d'automobiles que ça. Si on se souvient bien, c'est la récession, puis une voiture, ça coûte quand même assez cher. Et en plus, les voitures en hiver, <laughs> par définition, il n'y en a pas. Alors, ça lui laisse un peu de temps pour bricoler, pour développer. Le peu d'économie qu'il réussit à mettre de côté, le peu de revenus et de profits que son maigre garage lui rapporte, il les réinvestit littéralement dans le développement d'inventions. En fait, son, son, sa toute première invention, il faut comprendre que ça, ça remonte à plusieurs années avant, il avait à cette époque-là 15 ans, donc 1922. Il s'est construit littéralement, et euh, la, la reproduction de ça est toujours visible maintenant au musée Bombardier à Valcourt. C'est littéralement un énorme, imaginez-vous, un, un, un énorme traîneau avec des patins à neige, avec un moteur derrière et une hélice en bois qu'il avait confectionnée lui-même. Alors tout ça est propulse, mais propulse à une vitesse d'à peu près 5 ou 6 km à heure. Mmh. Et il réussit à faire un kilomètre sur la rue principale de Valcourt avec un, un fatras incroyable. Et son père euh, lui demande de démanteler cette espèce d'énorme traîneau. Lorsqu'il revient à Valcourt, il recommence. Il recommence et ses premiers modèles, ce sont toujours des modèles à hélice, euh, qui n'est pas la chose la plus sécuritaire toujours temps passant. Imaginez-vous, tu as un énorme traîneau dans la neige avec une hélice derrière qui n'est pas protégée. Euh, et puis après, progressivement, bien, il commence à développer d'autres approches. Et c'est à peu près toujours à cette époque-là qu'il développe un modèle avec des chenilles. Donc, il, la chenille existait, ce n'est pas lui qui a développé mmh. la chenille, mais les chenilles à l'époque étaient en métal. Ah, oui. Et les roues à engrenages étaient en métal. C'est parfait si vous êtes dans le Sahara, si vous êtes à quelque part en Allemagne, mais dans la neige et la glace, ce n'est pas la chose la plus stable. Alors, évidemment, les chenilles, littéralement, glissent, sortent des, toujours des engrenages, ça ne fonctionne pas. Il travaille là-dessus, et c'est à ce moment-là que son fils, Yvon, Effectivement, tombe malade euh, d'une et euh, euh, qui se tourne en péritonite, et c'est terrible quand on y pense, parce que tout ça évidemment arrive en hiver. Et vous avez dans le garage à côté une espèce d'engin qui est censé flotter, l'expression est de bombardier, un engin qui flotte sur la neige, mm -hmm. mais qui ne peut pas utiliser pour se rendre à Sherbrooke à l'hôpital qui est à peine à 50 kilomètres, parce que ça ne fonctionne pas. Mm. Et c'est après qu'arrive cette espèce, de... en fait, qu'arrivent deux décisions. La première décision, c est, elle est mécanique. C'est-à-dire, ça ne fonctionnera jamais si c'est en métal. Aujourd'hui, ça nous semble évident. Mais ça ne fonctionnera jamais si c'est en métal. Il faut que ça soit dans un matériau qui est beaucoup plus souple et qui ne gèle pas, ou en fait qui gèle peu. Et c'est là où on utilise les chenilles en caoutchouc, mais ce n'est pas suffisant. La grande invention de Bombardier, elle date de 1934-35. C'est ce qu'on appelle le barbotin-chenille. Alors, vous, vous voyez le, le logo de Bombardier, cette espèce de roue dentelée à travers laquelle on voit le mot bombardier, on, on se, la visualise tous, ben, c'est ça sur la roue d'engrenage, qui également est en caoutchouc. Et caoutchouc sur caoutchouc, là, ça peut prendre même avec des, des froids de moins 30, moins 40. Et là, son invention commence à fonctionner. Sa, deux, sa deuxième grande trouvaille, si on veut, suite à cet incident avec le décès de son fils, c'est de se dire, ce n'est pas une espèce de petit véhicule qui flotte dans la neige pour s'amuser que je dois créer. C'est ça, ce n'est pas, pas, pas un loisir. Là. C non. Pas, pas plus dans un but de loisir. Plus hein. dans sa tête. Là, ça doit être robuste, ça doit être pour aider les gens à circuler principalement, pratiquement en cas d'urgence, dans la neige, en hiver. Parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque-là, notamment dans les campagnes, on ne peut pas circuler autrement qu'en carriole et à cheval. Euh, les, les, les autos ne circulent pas. Même à Montréal, ça circule difficilement lorsqu'il y a beaucoup de neige. Euh, donc, évidemment, à Valcourt, on n'y pense même pas. Et pour lui, il doit inventer, avec cette nouvelle technologie, le barbotin-chenille, il doit inventer quelque chose qui va être littéralement pratique et robuste. Ça va devenir sa grande obsession à partir du milieu des années 30. Euh, mais ses débuts professionnels quand même, là vous dites il fait ça, mais là avant que ça soit commercialisé, c'est quand même extrêmement modeste. Hein? Euh, oui. Parlez-nous-en oui. un peu. C'est quoi le contexte dans, parce que là on est en 1934 des années oui. 30, c'est pas des, des années extrêmement florissantes. C'est toute une aventure. Lors, Lorsqu'on parle de la résilience des entrepreneurs, je sors mes notes parce qu'il y a certains chiffres que je veux partager avec vous. Oui. On a tous Vu, soit des visous, au moins une photo si, euh, si on est minimalement curieux, on a tous vu l'autoneige. Pas la motoneige, l'autoneige. Cette espèce de véhicule rond, dans certains cas, dans les premiers modèles, avec des hublots. Euh, il faut comprendre que ces véhicules-là étaient faits de matériaux, en fait, c'était fait en plywood, il hein, faut comprendre, peinturés, avec des moteurs qui étaient achetés. Généralement, c'était des moteurs Ford. La traction, elle, était développée par Bombardier, donc son barbotin, les chenilles. Les chenilles étaient même achetées. Et tout ça est monté littéralement à Valcourt. Au début, dans son garage. La première usine a été construite en 1941 et elle était conçue pour 200 véhicules par année. Ce n'est pas énorme. Mais les tout premiers véhicules, c'est dans, littéralement dans son garage à Valcourt. Et au tout début, on n'en produit pas des masses. La première année, on en a vendu 27. La première année, c'est quoi, c'est quand? C'est la première année, là, c'est oui, 36 essentiellement, la première année. Et puis ensuite, et ça, c'est une de ses grandes forces, on double la production presque à chaque année. Donc d'une vingtaine, on passe à 40, on passe à 80, ah, pardon, à 40, 80, oui. Et on espère vers 1938-39 rejoindre peut-être le 200. Mais là arrive évidemment, on en parlera tout à l'heure, arrive évidemment la... Deuxième Guerre mondiale, qui change passablement les plans de Joseph. Mmh. Mmh. Et, et, mais juste avant mmh. d'aller justement un peu plus loin dans le développement, je pense qu'il est important euh, parce que là aujourd'hui, un entrepreneur a à sa disposition un certain nombre d'institutions pour oui. euh, pour Après. le soutenir, pour euh, l'encourager. Euh, euh, là. Euh, Prenons un, un peu de recul et regardons quel est le contexte économique pour un Joseph Aymond Bombardier, qui, a, qui est visiblement, qui a du talent, qui a des idées, qui est créatif. Mais c'est quoi le contexte économique du Québec des années 30 et surtout des Canadiens français des années 30? C'est fascinant cette question-là parce que ça nous met vraiment en contexte et ça relativise beaucoup, beaucoup de choses. Pour dire les choses simplement, à cette époque-là, il n'y avait pas de capitaux. Et il n'y avait surtout pas de capitaux de risque. Ça existait à toute fin pratique pas. Euh, ça a été euh, notamment beaucoup documenté par la suite. C'était déjà décrié de cette époque-là. Euh, à cette époque-là, pardon. Euh, mais les capitaux de risque, ça n'existait pas. La caisse de dépôt n'existait pas. L Investissement à Québec n'existait pas. Le Fonds de solidarité, tout ça, ce sont des créatures à partir de 1965. Euh, mais à cette époque-là, ce n'était pas là. Euh, il faut comprendre que L'entreprise Bombardier, littéralement, ça a été financé à partir de capitaux propres, à partir d'épargnes, à partir d'investissements des membres de la famille, littéralement, à partir des profits qui étaient réinvestis. Le premier prêt à l'entreprise Bombardier, c'est le père, c'est Alfred, qui est le père de Joseph Armand, qui lui a consenti un prêt. Le deuxième prêt de l'entreprise Bombardier... Ça a été la ville de Valcourt qui lui a fait un prêt pour construire son usine en 1941, qui était essentiellement un prêt remboursable, bien sûr, mais sans intérêt. Mmh. Euh, et dans l'histoire, jusqu'au décès de Joseph-Fermand Bombardier, il n'y a pas eu d'apport en capitaux, sauf évidemment des banques, mais comme les banques faisaient à l'époque, c'est-à-dire généralement avec un collatéral sur l'immobilier, sur le reste. Mmh, ça. Euh, des, des, ce qu'on appelle aujourd'hui du capital de risque ou des banques d'affaires, ça n'existait pas. C'est-à-dire que, tu sais, au 19e siècle, par exemple, les, les grands chemins de fer se sont financés grâce. Parce que c'était des entreprises d'utilité publique. Oui. Mais pour des créateurs, des entrepreneurs avec un produit nouveau. Là, Ça n'existe pas. Euh, ben, en fait, pas, pas au Québec, à tout le moins. Oui. Et, et c'est intéressant parce que, si vous me permettez, il y, y a une espèce de filiation qui est intellectuelle qui est intéressante. Euh, à cette époque, à, à, au début du 20e siècle. <coughs> Il y a euh, un, un intellectuel qui a été, entre autres, à l'époque, qui était secrétaire, euh, qui a été quelques années secrétaire du, du ministre des Finances euh, de la province, euh, qui était euh, euh, Harold Bouchette, qui était un intellectuel, euh, un journaliste, entre autres, qui s'intéressait beaucoup aux choses économiques, qui lui avait écrit déjà à l'époque euh, non, non seulement euh, plusieurs articles, mais un livre, qui relatait l'importance de créer une banque d'affaires au Québec. Ces euh, propos, évidemment, ce qui n'a pas été le cas, et la raison pour laquelle il voyait l'importance de créer cette banque d'affaires, c'est qu'il y avait eu déjà à la fin du 19e siècle un tournant important en Amérique. C'était entre autres le développement de la grande industrie. Mm -hmm. Ford est né dans cette foulée-là. Et mm -hmm. lui disait, jusqu'à maintenant, on a réussi au Canada-Français à être à peu près concurrentiel avec, et là j'utilise ces termes, avec nos, nos voisins en Ontario parce qu'on était dans la petite et la très petite entreprise. On ne parle même pas de moyenne entreprise. Qui, lorsque la consolidation du début du 20e siècle est arrivée, on n'a pas suivi parce qu'on n'avait pas les capitaux. Mmh. C'est intéressant parce que l'idée de Bouchette a été reprise par la suite, par Édouard Montpetit, qui le relate dans plusieurs de ses écrits, a été reprise par la suite par Esdras Mainville, qui cite Édouard Montpetit, a été reprise par la suite par Angers, qui cite Esdras Mainville, évidemment, dans l'ensemble de son œuvre, sur l'importance d'une banque d'affaires. Et c'est finalement, et la chose est intéressante, euh, et là, ça me fait plaisir de le relater, étant professeur des HEC, parce que, évidemment, mon petit, ça a été assez proche de l'école. Esdras Mainville, c'est l'école. Euh, Monsieur Angers, c'est l'école. Et puis, finalement, c'est un disciple, à bien des égards, de. M. Angers, quelqu'un qui, qui avait travaillé avec, qui avait formé, qui est Jacques Parizeau, qui a créé cette première grande banque d'affaires en 1965, qui est la Caisse de dépôt. Mmh. Et l'idée était là depuis longtemps, mais on n'y arrivait pas. Et donc, on peut penser que c'est un rôle que ne pouvaient pas vraiment jouer les caisses populaires à l'époque euh, de, de Bombardier, en tout cas, dans les années 30 non. Elle n'avait pas, euh, euh, ben, pas cette vocation-là, vraiment. Bien, elle n'avait pas cette vocation-là, parce qu'évidemment, on parlait d'un risque quand même assez important. Et, euh, bon, bref, la réponse est non. Ouais. Alors, l'engin, le, le, on pourrait dire le premier engin qui fait vraiment connaître Bombardier, c'est l'autoneige, où on l'appelait ça quoi, la snowmobile. Oui, euh, le B7, en fait. Alors, ça, ça c'est vraiment ça qui est développé à partir de 1936. Oui. Quel est le public cible? C'était quand même pas évident de, de dire, bon, là, on fabrique ça, on en a besoin, mais qui peut s'acheter ça? Quel est le public cible? Comment, comment Bombardier s'organise pour faire connaître son, son oui. engin? Il faut comprendre d'entrée de jeu qu'un B7, en fait, encore une fois, ce véhicule qu'on a tous vu au moins une fois, euh, c'est un véhicule qui, euh, qui coûte relativement cher. À l'époque, un B7, ça, ça coûtait à peu près 600 euh, ce qui était beaucoup là, pour l'époque. Euh, puis un peu plus tard, ça a été, ça a pratiquement doublé de prix. Euh, mais la, le point qui est important à, à réaliser, c'est qu'à la même époque, avoir un véhicule, par exemple, un Ford, c'est à peu près le même prix. Mm. Et ça veut dire que les gens devaient avoir deux véhicules, un pour l'hiver, un pour l'été, ce qui est quand même assez, assez, assez coûteux. Donc le public essentiellement à qui ça s'adressait, le marché cible, c'était des gens qui en avaient besoin pour leur profession. Alors, il y avait les, les premiers, c'était les médecins. Sa, son premier public cible, c'était les médecins. D'ailleurs, Bombardier, avec son frère Raymond, Bombardier, c'était l'inventeur. Hein. Son frère Léopold, c'était l'ingénieur. Son frère Raymond, c'est pratique d'avoir une famille nombreuse, son frère Raymond, lui, c'était le gun marketing. Lui, c'était le concepteur de la publicité, de la commercialisation. C'est lui qui a ouvert, qui a commencé à ouvrir, notamment après la guerre, des, littéralement des franchises un peu partout, jusqu'au Dakota, jusqu'au Minnesota, jusqu'en Islande. C'est quand même assez intéressant pour vendre des, ce qui était à l'époque, ce qui était rendu les B12 et puis euh, les autres modèles. Mais au tout début, on vendait paroisse par paroisse et, les, et il y avait trois, littéralement, trois personnes dans une paroisse qui étaient le public cible. Le médecin, il y avait le curé, puis il y avait l'entrepreneur en pompe funèbre. C'est les trois qui devaient se déplacer dans les maisons lorsqu'il y avait des tempêtes de neige et que la chose ne pouvait pas tarder. Et c'est à ces trois personnes-là qu'on leur vend. J'imagine que dans certains villages, ils se mettaient en trois et y en achetait une. Là. Ça ouais. passait à tour de rose ouais, séquentiellement. Ouais. Euh, mais c'était essentiellement le public cible, tout à fait à l'époque. Est-ce à ce moment-là, le, 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 cet appareil-là a été critiqué? Les premiers appareils des années 30, est -ce que, quels étaient leurs, leurs atouts? Qu'est-ce qui fonctionnait? Qu'est-ce qui fonctionnait moins bien? Euh... C'était des véhicules qui étaient d'abord et avant tout extrêmement robustes. Avec une, et, et ça, c'était l'espèce de hantise de Bombardier. Il voulait une mécanique simple, il voulait une, une mécanique qui ne brise pas, il voulait une mécanique qui était facile à réparer. Alors, notamment, il achetait des moteurs, et il prenait toujours les moteurs les plus faciles à réparer. Euh, il a essayé toutes sortes de choses. Hein. Il a essayé des deux-temps, des quatre-temps, des moteurs de bicyclette, de, 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 de motocyclettes, pardon. Euh, finalement, c'était surtout des moteurs Ford, des bons vieux moteurs Ford, qu'à peu près tout le monde dans la campagne savait réparer, avec un, une traction qui était vraiment euh, extrêmement robuste, à quoi je faisais référence tout à l'heure, des skis qui étaient... Parce que ces premiers skis, c'était toujours... Le, le, la partie faible, cassait toujours. C'est ce qui, à un moment donné, littéralement, sur une suspension, on commençait à être extrêmement durable. Euh, et il voulait un véhicule, et on verra tout à l'heure, lorsque, lorsque dans les années 50, il a commencé à faire vraiment beaucoup d'argent dans une autre industrie, à quel point sa était d'avoir, et je reviens sur son expression, un véhicule qui flotte sur la neige. C'était son expression. Lui, voulait un véhicule qui, entre autres, qui, au pouce carré, était, était, étaient lourds, ces véhicules, mais au pouce carré, avait un empiètement au sol qui était relativement euh, léger, qui était bien réparti. Ça, c'était une de ses grandes antises, de sorte qu'il calait très peu, il ne s'embourbait pas. Et, et pour lui, c'était important parce que, encore une fois, sa hantise, le médecin qui part pour sauver une vie, s'il reste pris dans la neige, ça sert absolument à rien, son véhicule. Donc, c'était littéralement, si vous me prêtez l'expression, une espèce de char d'assaut du Québec. Dans la neige, c'est vraiment ça. Justement, alors là, vous ouvrez la porte parce <laughs> qu'on arrive à la guerre. Est-ce que euh, on peut penser, parce qu'on sait qu'il a, a développé des modèles, mais est-ce que ça a été vraiment une bonne affaire pour lui hum. que la guerre, parce que on sait que pour de nombreux entrepreneurs patenteux ou pour l'industrie lourde, ça a été une. Est-ce que ça a été le cas de Bombardier? Je pense que c'est un peu mmh. nuancé comme réponse. C'est très, très nuancé. Euh, oui, tout à fait. Et en fait, euh, beaucoup de personnes sont vivants. Lorsque vous regardez les éditorialistes, notamment euh, La Voix de l'Est, entre autres, les gens, à l'époque, donc, on parle de, de 39 littéralement 45, les gens étaient convaincus que Bombardier était en train de faire une fortune euh, avec l'effort de guerre. Alors que la réalité, c'est tout le contraire. Parce qu'ils avaient développé quand même un, une machine spéciale. Ben, C'est-à-dire que ce que Bombardier a fait, c'est qu'à euh, l'époque de... Bon, on va le regarder séquentiellement, si vous voulez bien. Oui. En 1939, la, la, bon, la guerre est déclarée, le Canada rentre en, rentre en guerre, euh, un peu après. Et Bombardier euh, réalise que ça va être difficile de continuer à fabriquer des B7 pour aller se promener à la campagne, pas se promener, mais enfin pour les médecins et autres. <coughs> mais du même coup, il se rend compte que son véhicule pourrait être utile pour les de guerre. Il en envoie un un peu plus gros, c'est le B12. Il l'envoie à Ottawa, puis il dit, regardez, donc ça, peut-être pour le transport de troupes, ça pourrait être utile. Mm -hmm. Et les ingénieurs à Ottawa trouvent que c'est génial, ça peut effectivement être très utile. Donc, ils reviennent, puis ils disent... <coughs> Là, je paraphrase. Monsieur Bombardier, on a une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Hein? La bonne nouvelle, c'est qu'on va vous prendre votre véhicule, mais peut-être c'est une bonne, peut-être c'est une mauvaise nouvelle, mais on va en avoir besoin de beaucoup. Alors des B12, on va en avoir besoin et littéralement la commande est passée pour à peu près 300. Mais au même moment, Bombardier commence à développer d'autres types de véhicules, développe entre autres le M1, le M2 et qui sont des véhicules beaucoup plus gros. C'est presque, si vous avez déjà vu les, euh, les dameuses à neige, bien, enlevez enlever la pelle devant, puis c'est littéralement un M2. Ça, c'est l'armée britannique qui en veut. 1200. Bref, progressivement, on commence à dire à Bombardier, on risque d'en avoir besoin de 2000. Le problème, c'est que Bombardier vient d'ouvrir son usine, puis elle est conçue pour 200. Éventuellement, ils veulent l'agrandir à 400, mais on ne produit pas 2000 dans une usine de 400. Et Bombardier est extrêmement frileux parce qu'il se dit « Ça, c'est bien beau, tant que la guerre dure, mais après ça, comment je vais faire pour en manufacturer 2000 puis en vendre 2000 dans les campagnes un peu partout au Québec? Mmh. » Et là, il devient frileux. Alors, il se dit « Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais construire à Valcourt mes roues, mes chenilles, le barbotin et chenille, et puis je vais impartir le reste de la production un peu partout. L'impartir le plus possible autour de Valcourt, mais bon, là, ça ne suffit pas. Il, » il, ils rentrent littéralement dans des usines à Montréal, entre autres Faran. Et c'est eux qui ont récolté le plus de l'effort de guerre. Maintenant, Bombardier se dit <coughs> je vais quand même pouvoir faire des sous avec ça. Parce que lorsqu'il a inventé son premier brevet, ce fameux barbotin et chenille, mmh. bien, il est breveté. Et il est breveté de, de sorte qu'à chaque fois qu'un véhicule est construit, lui, il peut faire 21 en redevance. Du coût de production de la machine. Alors, lui, il se dit, c'est à peu près 300 par véhicule que je peux faire. À l'époque, évidemment, les prix ont augmenté. Donc, je peux faire 300 par véhicule. C'est mon brevet qui va me rapporter des sous. La guerre continue. Il y a des véhicules qui sont produits. On est rendu à 350 DB12, ces fameux grosses autos pour le transport de troupes. Puis, il y a des M1, des M2 qui s'en viennent. Et normalement, il calcule qu'il devrait avoir droit en redevance après à, à 38 000 qui à l'époque est une somme considérable. Et si on prend toute la production pour la Grande-Bretagne, c'est 158 000 Le hic, c'est que l'armée refuse de reconnaître son brevet. Il dit, non, non, le brevet, non, on ne le reconnaît pas. On n'est pas sûr qu'on vous doit de l'argent. Et là, Bombardier est furieux, parce qu'il dit, là, vous allez m'expliquer comment le gouvernement fédéral, d'une part, Ottawa me donne le brevet, puis que son armée ne reconnaît pas le brevet. Oui. Et, et d'ailleurs, d'ailleurs, la, la lettre, euh, on n'a pas le temps de la lire, mais la, la, la courte réponse, qui est plutôt laconique, écrite évidemment à partir de la en anglais, est plutôt cinglante, en disant, regarde, on n'est pas sûr qu'on ne vous le reconnaît pas. Merci d'avoir quand même contribué à l'affaire de Guerre. Grosso modo. Et là, Bombardier est furieux. Il engage, évidemment, une firme d'avocats, et la firme d'avocats lui conseille, on est rendu en 44-45, lui conseille d'abdiquer. Il dit, Écoutez, négociez ça pour 2000 puis fermez les livres, passez à autre chose. Parce que si vous allez en cours, un, ça ne se réglera pas demain, et si vous perdez, votre brevet ne vaut plus rien au niveau mondial. Ah, ben oui, c'est vrai. Donc, ne prenez pas ce risque-là. Alors là, vous avez un entrepreneur qui a développé un, un, littéralement une technologie qui ne se la fait pas reconnaître par l'armée de son pays, pour qui il a quand même produit, à l'époque, déjà à cette époque-là, pratiquement 1500 500 véhicules. Euh, donc, la fa... non, ça, là-dessus, c'est clair. À la sortie de la guerre, Bombardier était pratiquement en faillite. Alors, c est, c est, c est, euh, ça veut dire que, donc, ça a été des vaches maigres qui ont oui. suivi. Euh, oui. Comment il s'est refait? Comment il a réussi à tirer son épingle du jeu sans institutions euh, comme Investissement Québec ou sans... Investissement... Non, il y avait toujours pas de capitaux. Hein. Voilà, il n'y avait toujours pas sans de capitaux de risque. Ah, tout à fait. Ben C'est là le génie de bombardier, si je peux me permettre l'expression. C'est là la résilience des entrepreneurs. Lui, il s'est dit Bon, euh, OK, la guerre m'aura au moins permis une chose. Ça aurait été de développer mes véhicules dans une application différente le transport de troupes, le transport de matériaux, euh, aller sur des terrains différents, euh, aller dans des contextes différents. Et là, il, il commence à regarder les possibilités, et on est très loin de la motoneige encore les possibilités industrielles. On pense, je vous une petite parenthèse, on pense que Bombardier, de son vivant, c'est le skidoo, doo puis maintenant, c'est l'industriel, c'est la locomotive, c'est le C-Series. Mais non, déjà, de son vivant, il était dans l'industriel. Mm -hmm. Et ça, je vais vous raconter une chose que très peu de personnes savent, que je trouve absolument fascinante. Ce qui a littéralement mis Bombardier, Joseph Armand Bombardier, puis les, les, les Autoneiges Bombardier Limité, sur la carte ou sur le plan financier, ça a été le développement... D'un véhicule qui est littéralement son espèce de B12, mais plus de toit, là, ouvert, là, très, très, très léger, qui peut aller à peu près partout et qui flotte, soit de 100 qui est capable de. En fait, qui flotte pas, mais qui est capable d'aller dans 3-4 pieds d'eau et continuer à, à fonctionner. Ça s'appelle le Muskeg. Et ça, c'est un véhicule qui est conçu dans un esprit de guerre, mais avec des applications après la guerre. Là, ils vont en vendre le plus, et là où ça cadre parfaitement avec les besoins, je vous le donne en mille. C'est en Alberta, c'est dans les années 50, et c'est pour l'exploration des sables bitumineux. <laughs> eh oui, c'est étonnant. Hein? Oui. En fait, une grande partie de la fortune de Bombardier de son vivant, ça a été autour du Mosque, dans l'industrie pétrolière, parce que c'est un véhicule... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, puis remarquez, pendant les temps qui courent, ce n'est peut-être pas l'endroit où je voudrais passer mes vacances, mais dans les sables bitumineux, là, de, de près de Fort McMurray, mais c'est littéralement des tourbières, c'est littéralement un sol extrêmement spongieux. Et son véhicule permet d'aller à peu près partout là-dedans. Et ça, ça a été littéralement une avancée, non seulement technologique, mais surtout économique. Alors, il, il signe littéralement des contrats pour cette industrie-là, et c'est à partir des paiements qu'il a d'avance, qui commence à refinancer son entreprise. Très rapidement, il fait la même chose en Ontario et au Québec pour l'industrie du bois, euh, pour euh, littéralement aller chercher le bois en forêt et le sortir de la forêt. Mmh. On a tous vu à quelque part un film des années 50 où on voit ces trucs-là. Ça, c'est le B5, en fait, qui est une version plus petite du B7, une petite version. On l'a tous déjà vu au moins une fois sur nos trottoirs à Montréal, puisque... Vous savez, cette petite chenillette qui oui, nettoie oui. la neige. Ben, oui. Vous voyez les vieux modèles, les modèles ronds, là? Bien, c'est ça. Ça, c'est le B-5. C'est littéralement le petit frère du gros B-7 qui a été conçu avant la guerre. Mais euh, ce que, que j'ai noté dans, dans la recherche que j'ai lue, c'est que ce qui vient aussi un peu peut-être contrecarrer certains de ces plans euh, par rapport au, à l'usage de, 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 des premières machines, des ah, oui. premières générations durant les années 30, c'est qu'un de ses concurrents, le, le Arthur Sicap, je serais intéressant ouais. que vous nous le présentiez, va inventer la fameuse, euh, la souffleuse, enfin la, 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 le chasse-neige. Euh, ça arrive quand et là, comment, comment Bombardier s'adapte, comment il réagit puis comment il s'adapte? Hein? Parce qu'une fois qu'on déblaye les, les, voilà. les routes, bien là, euh, ces premières générations de machines sont moins utiles. Oui, dans un musée, ça cadre bien, <laughs> c'est à peu près tout. Là, vous avez tout à fait raison, c'est fascinant. Dans les années 20, à la fin des années 20. Il y a un entrepreneur qui passe à Valcourt, un type qui s'appelle Arthur Sicard, qui lui travaille, qui a à l'époque 50 ans, qui lui travaille depuis qu'il a 20 ans, donc ça fait une trentaine d'années. Donc c'est un Joseph-Armand Bombardier, et lui qui, 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 qui est d'une autre région, en fait, qui, dont, dont l'usine par la suite était à Saint-Léonard, euh, qui lui a une obsession, la même obsession que Bombardier, mais dans, dans l'autre sens. Lui, il ne veut pas flotter sa neige, il veut l'enlever. Alors il invente. La souffleuse à neige. Et il travaille sur cet appareil-là littéralement de façon, euh, de façon littéralement maniaque eu un certain point, avec beaucoup de résilience. Il travaille son invention et en 1929, il passe par Valcourt. Puis euh, 27, pardon. Et là, imaginez-vous, évidemment. Euh, il était pas là, mais on s'est relaté. T'sais, un jeune bombardier qui sort, qui voit ce truc-là, puis qui se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et c'est fou parce que ces deux entrepreneurs-là, qui travaillent sur le même problème est le problème de la neige, mais de deux façons diamétrement opposées, oui, se sont croisés. Mais semble-t-il, ils se sont jamais parlé, ont été peu en correspondance l'un avec l'autre. Et la chose qui est intéressante à, part, à propos de Sicard, c'est que lui, littéralement, il est mort à 70 ans dans son usine en train de boulonner des trucs en 1947. Et son entreprise va être rachetée un an et demi après par un consortium de deux, entre, de deux compagnies, la famille Simard de Sorel, ah ben oui. et la famille Schneider, qui est une compagnie, une, entre, une famille, une entreprise française. Et les deux par la suite vont développer, perfectionner la souffleuse. Ça a été revendu plusieurs fois par la suite. Certains modèles de souffleuses ont encore le nom Sicard dessus. Euh, ça n'appartient évidemment plus à la famille, mais évidemment, comme vous l'avez mentionné. Euh, lorsque les, les, le, notamment le gouvernement provincial, dans un premier temps, en 1936, décide d'acheter des souffleuses, même en 1929, euh, 29-30, pour déblayer le chemin entre Québec et Montréal, puis ensuite achète, la ville de Montréal achète des souffleuses pour déblayer Montréal, ben évidemment, ça ne permet pas beaucoup beaucoup aux autochtones de se promener dans les rues. Mais là justement, arrivons à ce qui va, qui va être ça, son, son, son grand ouais. succès, euh, le skidou. Oui. Ah. comment émerge, comment vient, lui vient cette idée? Et parlez-nous du contexte qui fait que c'est favorable, que ça va marcher. Ouais. Le contexte est très, très, très particulier. Il euh, y, y a toutes sortes de choses qui s'entremêlent. Euh, on est rendu, on est rendu littéralement en 56-57, fin 57, début 58. Son entreprise fonctionne enfin bien. Elle est profitable. Grâce, Grâce au sable bitumineux. Mm -hmm. En partie grâce au du milieu, en partie grâce au bois et puis euh, la, 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 toute l'industrie du bois, effectivement, la forêt. Donc, il est capable, non pas de s'asseoir sur les sorcières, ça, c'est vraiment pas Joseph Armand-Bombardier, hein, mais il est capable de passer à autre chose. Et puis, il a toujours ce rêve-là d'avoir cette espèce de véhicule qui flotte sur la neige. Hein. Et Joseph Armand-Bombardier a eu trois garçons, eu, euh, également euh, quatre, je me souviens, filles, euh, il y a un de ces garçons, on l'a vu, qui est décédé très jeune. Son plus jeune est un garçon, André, et son plus vieux est un garçon, Germain. Il y a toujours eu une relation plus ou moins conflictuelle avec son plus vieux, comme ça peut arriver euh, dans, dans les meilleures familles. Euh, mais vers ces années-là, il décide en grande partie avec Germain de revenir à son rêve de départ, de créer une, un véhicule. Il ne l'appelait même pas une motoneige à l'époque. Il appelait un véhicule plus léger pour une ou deux personnes qui flottent sur la neige. C'est comme ça qu'il le décrivait. Et il arrive effectivement à un premier prototype, toujours en, en plywood, euh, qui est la première motoneige. Et là, et cette, évidemment, cette première motoneige-là, il, il en existe encore des, des, des copies. Lorsqu'il arrive sur ce premier véhicule-là, euh, qui ressemble un peu à, à ce qu'on voit encore aujourd'hui, euh, là, c'est pratiquement une révélation. Ça fonctionne. Il, il, il la développe beaucoup avec son fils. Entre autres, cette fameuse transmission, là, qui est la particularité des, des skidoo encore aujourd'hui, euh, c'est en bonne partie son fils qui l'aurait développé. Euh, mais là, il peut se permettre de s'amuser avec ce genre de produit-là. Son but n'est pas nécessairement de la commercialiser. Il y a déjà une usine qui fonctionne assez bien, très bien même. Euh, son but, c'est vraiment d'aller au bout de son rêve. Mm -hmm. Et ça fonctionne. La première année où ça a été commercialisé, Vous en d'abord, techniquement, ça fonctionne. Techniquement, ça fonctionne. Mais ça fonctionne commercialement également. Les, déjà, les premières années, on en vend 262. Euh, et, et je vous dirais que, j'ouvre une petite parenthèse, juste mentionner que le premier nom de skidoo, ce n'était pas skidoo. Ça s'appelait un skidog, D-O-G, D -O -G, ski dog Mais comme c'était plutôt euh, moche comme nom, il l'a transformé assez rapidement en skidoo. Il euh, y a une légende qui dit qu'à un moment donné, c'est probablement le G de la pâte du G qui est tombée, <laughs> que ça a fait Skidou, il l'a gardé, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il l'a rebâti Skidou. Très rapidement. 262, la première année. Là, je vais ouvrir une deuxième parenthèse pour mentionner que c'est presque une bonne chose, qu'il l'ait développé avec une nouvelle technologie dans les années 60, parce que s'il avait réussi à le faire dans les années 20, en 1929, ça aurait été un échec quand on y pense. Parce que le coût de revient pour produire un de ces véhicules, si on le reporte en 1929, aurait fait en sorte que le premier skidou qui aurait été vendu en 1929, parce qu'il n'y avait pas encore d'usine à l'époque, ce serait vendu en dollars courants, 40 000 ah, oui. En plein milieu de la récession. Ça n'aurait pas été un gros 40 succès. 40 000 ouais, Oui, ça aurait été des 40, 40 000 là, tout à fait. Alors ah, qu'un ouais. ouvrier gagnait en moyenne 2 par jour. Donc, ça n'aurait pas... Là, c'est le gars de Martin Killing qui, qui parle. Là, ça n'aurait ouais. pas été un gros succès, ça, mmh. je vous le garantis. En 1960, c'est viable. C'est viable et littéralement, facile. Sa première année, c'est 262 ventes. Par la suite, ça double à chaque année. Donc, allez-y sur une projection. Ça a été très rapide et ça a été un, un très grand succès. À telle, à telle enseigne que son usine a été reconvertie rapidement. Et puis, à partir des 400 euh, véhicules qu'il pouvait faire par année, l'usine elle-même a doublé assez rapidement par la suite. Bombardier meurt, on l'a vu, en 64 s'est repris au départ par son fils germain, mais très rapidement, s'est repris ensuite par, par son genre. Mm -hmm. euh, on a souvent, maintenant, on arrive un peu justement à cette, cette vie qui est, qui est trop courte, il meurt prématurément en 64, on a souvent reproché, j'avais lu des vieilles études qui avaient été faites à l'époque où on étudiait l'entrepreneur le, canadien français, puisque pour expliquer l'infériorité économique des Canadiens français. Parfois, on a pointé du doigt mm -hmm. hein, euh, les, les habitudes, euh, j'ai envie de dire, un peu la culture d'entreprise des, des entrepreneurs canadiens français. On leur reprochait souvent d'être plutôt conservateurs, c'est-à-dire de ne pas faire confiance aux autres, de ne pas beaucoup prendre de risques. Est-ce que Joseph, en quoi Joseph Hermont-Vamadis correspond un peu à cette mentalité et en quoi il s'en distingue il cadre très bien avec ce que vous venez de décrire parce que Joseph Armand Bombardier, un de ses traits de caractère, outre sa résilience puis le fait d'être opiné, c'est quelqu'un qui est extrêmement proche de son entreprise. C'est son bébé. C'est une entreprise qui est familiale. Euh, il ne veut pas rentrer il est littéralement, il y a une hantise à rentrer d'autres capitaux qu'il ne pourrait pas contrôler. Donc là-dessus, il est très, très conservateur. Il est également un bon gestionnaire. Il réinvestit littéralement chacun de ses profits. Donc, il a été capable, et c'est un bon inventeur. Donc, les produits qu'il qu qu développe ont du succès. Donc, ça, ça, ça aide. Hein? Il faut bien comprendre que cette obsession de contrôler, parce que mmh. c'est un entrepreneur non seulement autodidacte, je voudrais dire que c'est littéralement un dictateur à l'intérêt de son entreprise. Il y a des choses qui sont relatées, notamment, encore une fois, dans la Voie de l'Est, qui n'est pas inintéressante. Il, il y a eu des premières, des premières tentatives de syndicalisation de hein? l'entreprise du vivant de Bombardier, donc mmh. en 58 Alors, imaginez-vous, là, vous avez le sous-sol de la paroisse, là, puis là, il y a une assemblée syndicale. Et en plein milieu de l'assemblée syndicale, Bombardier débarque. Puis là, il monte sur l'estrade, puis il dit, « tu sais, Toi, paquin, là, quand ta femme a été malade, qui c'est qui t'a aidé? Mais littéralement, c'est relaté. Euh, alors ça, ça vous donne un peu le portrait. Ça, c'était tout pour se donner, créer des grandes amitiés avec Michel Chartrand. Oui, 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 oui tout, à fait, tout à fait. On voit, on voit, les, on voit, les, on voit les personnages. Hein? Il n'y a rien de banal oui, là-dedans. Oui, oui. Une des choses qui est intéressante, c'est qu'il est à ce point jaloux de, 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 de contrôler son organisation, que vers la fin de sa vie, ne sachant pas qu'il est gravement malade, il commence déjà à penser à la relève, puis il se dit Comment cette entreprise-là va être gérée si jamais je décède Et il, il mandate son, son, son bras droit, en fait, son, ce qui serait aujourd'hui son CFO, de, de lui ramener un plan pour la gestion et la gouvernance de son entreprise. Et euh, cette personne-là revient et lui dit Bien, ça serait peut-être une bonne chose d'avoir un conseil d'administration particulièrement révolutionnaire. Hein? Mais pour Bombardier, c'est révolutionnaire. Et ce conseil d'administration, là, ce serait peut-être une bonne chose qu'il soit composé, bien, bien sûr, de membres de la famille un peu, mais également d'externes. Et dans les phrases de ce rapport que j'ai pu consulter, on dit littéralement, parce qu'il faut faire une distinction entre les intérêts de la compagnie et les intérêts de la famille. Et ça, Bombardier ne veut pas en entendre parler. Donc, il, 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 il repousse littéralement ce rapport, et il va demander un peu plus tard un deuxième rapport, cette fois-là à un jeune comptable qui vient de marier sa fille Claire, qui est Laurent Beaudoin, qui va en revenir avec à peu près la même proposition, euh, mais Bombardier n'est pas particulièrement plus ouvert à l'idée, à telle enseigne que craignant que éventuellement la famille perde le contrôle ou que certains de ses frères vendent leurs actions, il rachète. À trois ans de son décès, il rachète l'ensemble des actions. Donc, à trois ans de son décès, il contrôle l'ensemble de l'entreprise. Il va décéder. Dans son testament qu'il écrit, qu'il fait rédiger euh, à quelques semaines de son décès, il demande à la famille et à ses enfants de rester unis, de ne pas sacrifier la compagnie, de faire attention, que ça reste dans le giron familial. Il reste de l'histoire, en fait, après son décès, c'est qu'en 1967, l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui, Bombardier, va rentrer en bourse. Donc évidemment, ça a pris son décès. Ça a pris trois ans après son décès pour qu'on commence littéralement à revoir non seulement la gouvernance mais la structure de financement. Mais jusqu'à son décès, c'était littéralement son appendice. Donc c'était absolument impensable pour lui de son vivant euh, que Bombardier devienne une entreprise publique. Ah, absolument, absolument. Ça S'arrêter. Été... Ben, C'est-à-dire, <laughs> comment je vous dirais Si. <laughs> Dans le meilleur des deux mondes, puis à certains égards, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui est un peu à l'origine du modèle québécois ou du Québec Inc. Dans, probablement, et là, je ne sais pas, je n'étais pas, pas dans sa tête, bien sûr. Euh, et ça, il y aurait, on, on ne connaît pas nécessairement sa pensée, parce qu'il y a relativement peu écrit là-dessus. Mais on peut présumer que le meilleur des deux mondes aurait été que ce soit une entreprise publique qu'il contrôle entièrement. Mm -hmm. et? Autrement dit, d'avoir, je ne sais pas moi, 5 du capital, 100 des votes, ça peut-être qu'il y aurait pu. Vous savez ce que je viens de dire là? Ça semble drôle un peu, mais c'est toute la création des droits de vote multiples hein, à certains égards. La façon dont on a amené les entreprises familiales éventuellement à devenir publiques, tout en leur permettant de garder une partie du contrôle. À certains égards, quand vous regardez ce qui est sorti dans les manchettes il y a quelques semaines, lorsque le gouvernement, le gouvernement du Québec a décidé, par l'entremise d'investissement Québec, euh, et puis, depuis la caisse de dépôt, mais je pense surtout à mmh. ce qui a été annoncé à travers Investissement Québec de dire oui, on va financer la C-Series, mais à travers une compagnie à part. Mais dans le fond, ce qu'on remarque, c'est que c'est une façon d'amener des capitaux sans faire perdre le contrôle que les actionnaires, et entre autres la famille, ont encore sur l'entreprise. Ça, je vous dirais que c'est un modèle qui était assez précurseur. Je ne suis pas sûr que Bombardier, de son vivant, en a entendu parler, mais c'est un modèle, d'après moi, qui n'aurait pas des euh, vous, vous dites, vous écrivez dans, dans, dans une recherche que vous avez menée donc sur Bombardier qu'il qu serait donc qu il s'éteint prématurément, mais qu'il s'éteint malheureux oui, de ne pas avoir réalisé euh, l'ensemble de ses rêves. L'impression quand on regarde ce, 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 ce destin assez exceptionnel avec euh, le ski -dou avec toutes les autres machines que bon la plupart de... mais quels sont les rêves qu'il n'aurait pas réalisés. On ne le sait pas, il n'y avait, avait pas un calpin de... Moi aussi, je suis rendu au projet de 2008. <laughs> Mais la chose qui le caractérise, la chose qui caractérise tous les entrepreneurs, ce n'est même pas la du gain, ce n'est même pas la fortune, hein, c'est même pas l'accomplissement, si ce n'est qu'à travers une espèce de quête où je rejoue littéralement, euh, je rebelote littéralement les derniers gains, je vais plus loin. On a dit souvent que euh, Bombardier, avec, Bombardier l'entreprise, j'entends, <coughs> avait connu son, son essor à partir de 1967, lorsqu'ils sont rentrés, lorsqu'ils ont racheté Canadair, et puis ensuite de ça, compagnie euh, compagnies de locomotives, de, 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 locomotive, de chemins de fer qu'ils ont repris, euh, et que ça, c'était, le terme a été utilisé, ça je l'ai lu, une, presque une perversion de l'idéal de, de Bombardier. Moi, je crois pas du tout. Moi, je suis convaincu que si Bombardier avait vécu ces années 60, 70, 80, Probablement que l'entreprise serait allée à peu près dans cette direction-là parce que c'est comme une suite naturelle. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une entreprise de ski ce truc-là. C'est une entreprise littéralement de mécanique d'innovation avec toutes sortes de machineries allant du B7 au Moskeg, au B5, la motoneige, bien entendu. Pour moi, ça aurait été un naturel qu'il aille vers d'autres euh, développements et ces développements-là auraient probablement été. Je ne sais pas, moi. Euh, Peut-être peut certains véhicules automobiles. Euh, sûrement, euh, sûrement la locomotive, ça aurait été un naturel. Déjà, de son vivant, il le regardait. Euh, hum, ça, c'est documenté. Peut-être que ça aurait été le concepteur puis l'inventeur de Tesla aujourd'hui. On ne sait pas. Ah oui. Hein. <laughs> euh, est-ce que tout, tout ce qui est ben, qui, qui va survenir beaucoup plus tard avec Bombardier, mais l'avion, par exemple, bon, Canadair, oui, mais oui. est-ce que, est que de son vivant, il avait comme un peu envisagé ce, ce type de développement ou ça... Il y a une photo qu'on qu revoit souvent, qui est une magnifique photo, où on voit euh, Joseph Armand Bombardier <coughs> au début des années 50 dans un avion. Okay? Bon, on ne peut pas tirer la conclusion qu'il aurait été vers l'aéronautique, mais c'est sûr que n'importe quoi qui était un avancée, qui était un défi technologique, pour lui, c'est quelque chose qui l'intéressait. Est-ce qu'il aurait été dans cette direction-là Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, euh, mais euh, je serais loin d'être surpris. Est-ce qu'il se serait arrêté à la motoneige, qu'il l'aurait continuellement perfectionné, non. Pour ça, je suis convaincu que non. Mmh. Je suis convaincu qu'une fois que ce truc-là fonctionne, il était probablement déjà rendu ailleurs. On a parlé, on, on a dit que cette conférence portait aussi sur les précurseurs du Québec Inc. Oui. Vous avez parlé d'Arthur Scar, Bon, Joseph Armand Bombardier, c'est probablement le plus connu. Peut-être d'autres noms euh, d'entrepreneurs qui mériteraient une plus grande attention euh, pas nécessairement peut-être des inventeurs, mais des gens qui, qui étaient doués, qui, qui ont commercialisé des choses. Ouais. Euh, Donnez-nous quelques exemples de gens qui mériteraient euh, plus grande attention. Bien, j'ai déjà parlé de... J'ai déjà parlé de Sicard, évidemment. Euh, j'ai déjà parlé de, de... Bien, par exemple, Arthur Sicard, est-ce que c'est <laughs> quelqu'un qui est mort riche, par exemple? Est-ce qu'il a réussi à, à, à disons, capitaliser? Ou, euh... Bien, en fait, euh, c'est drôle, parce que ce sont, encore une fois, c'est les relations à la neige. C'est deux histoires qui se ressemblent Terriblement, ouais, énormément. Euh, Imaginez-vous, là, Bombardier est mort dans son lit à l'hôpital. Mais honnêtement, je suis convaincu, là, si vous lui aviez demandé euh, où est-ce que vous voudriez mourir, puis ils auraient probablement dit au bout d'un boulon à quelque part. C'était plus là qui était bon. Euh, Bien, Sicard est mort comme ça. Il est mort, comme je l'ai mentionné, dans son garage en train de boulonner une souffleuse à 70 ans. OK? Euh, ben, c'est la même chose. Hein. Cette entreprise-là était une entreprise familiale. Ce n'est que lorsqu'elle a été rachetée par les Simard et Schneider que c'est devenu une entreprise avec beaucoup de capitaux qui s'est développée à l'international. Mmh. Ben, c'est un peu la même histoire. Mais, mais une des choses qui est intéressante, toujours à la même époque, c'est que l'on pense que la motoneige et même l'autoneige, c'est Bombardier qui l'a inventé. Mais ce pas lui. En fait, il y a un entrepreneur du bas du fleuve, de, bas, de trois pistoles, qui s'appelait Landry, qui l'avait breveté en 1928. Le seul problème, c'est qu'elle ne fonctionnait pas. Elle était littéralement, évidemment, ça aide pas. Euh, elle était littéralement comme les premiers modèles de bombardiers, montés sur des chenilles en métal, avec des roues en métal. Donc, ça, 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 ça fonctionnait très mal. Mais c'est la même histoire. Hein? C'est l'histoire d'un entêté, d'un têtu qui a développé. C'est tout ce que j'aime appeler la, la génération des patenteux. Alors, donc, les, les, les bombardiers, Sicard, Landry, Faran, Delorme, il y a eu beaucoup d'inventions à cette époque-là. Euh, il n'y en a pas eu qui ont eu le succès de bombardier. Celui-là, évidemment, c'est. Le plus grand succès. Mais comme je l'ai mentionné en, d'entrée de jeu, vous aviez à la même époque euh, beaucoup d'entrepreneurs qui n'étaient pas nécessairement des entrepreneurs au niveau mécanique, au niveau un peu des patentés ou des inventeurs, mais qui étaient des entrepreneurs, notamment dans le domaine de la finance. Euh, et, et malheureusement, ce sont des noms qui qu'on a oubliés aujourd'hui. Et, euh, des François-Xavier Perrault, euh, Rodolphe Forget, je l'ai mentionné. Ce sont des noms, honnêtement, et ça, je le déplore. Euh, je, ça fait 35 ans que j'enseigne au ACUC. Je vous parie que vous demandez à 10 étudiants pris au hasard, il y en a pas un qui vont vous dire c'est qui. Puis j'irais même jusqu'à dire, je vous prenez dix collègues au hasard, puis il y en a probablement 9 <laughs> sur 10 qui disent qu'ils ne savent pas plus. Oui, parce qu'en même temps, on a tout intérêt à quand on veut comprendre, on veut soi-même, on est soi-même un entrepreneur, on veut lancer une entreprise, de, de connaître la vie de de ces gens-là, de voir leur succès. Oui. Leur... Oui. Et puis, y a, y a, vous savez, nous avons encore, bien, heureusement, et, et, mais de leur vivant, des entrepreneurs extraordinaires. Euh, bon, Pierre, Pierre Pellado est décédé, mais son histoire, il vous y avez travaillé, euh, c'est une histoire extraordinaire. Euh, André Chagnon, vidéotron, euh, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, qui est toujours vivant d'ailleurs, pour la majorité des gens, euh, Chagnon, c'est la fondation. Mais Chagnon, c'est un entrepreneur électricien. Hum. Qui un jour est monté dans un poteau, et ça, Dixit, c est, c est, il vous raconterait la même histoire, qui un jour a vu passer un fil qu'il ne connaissait pas. Il s'est dit ben, C'est quoi ce fil-là Puis qui a racheté une petite compagnie de câble-distribution, puis qui est devenue Vidéotron, qui a été rachetée par la suite par Québec. Alors, il y en a beaucoup de ces histoires-là, des histoires fascinantes euh, que l'on néglige. Coutu, c'est quand même pas banal. Coutu, littéralement, a réinventé la pharmacie. La pharmacie telle qu'on la connaît, qu connaît aujourd'hui, avant Coutu, ça n'existait pas. Euh, ben, il l'a réinventé. Son histoire elle est extraordinaire. J'ai eu le plaisir, dans un de mes cours, de pouvoir, en fait, j'avais sa fille Marie-Josée dans un de mes cours au tout début de ma carrière, qui me dit :« Moi, j'aime beaucoup votre cours. J'en ai parlé à mon père. Mon père, s'offre de venir donner une conférence à votre cours. » Je lui dis :« C'est qui votre père ?» Elle dit « Jean-Coutu. » Je lui dis :« Le Jean-Coutu » dit :« Oui. » Je lui dis :« peut, quand est-ce qu'il veut venir oui. ?»« Des bon. oui. Il est venu dans mon cours et lorsqu'il raconte cette histoire-là, c'est extraordinaire. Lui, il dit Quand j'ai commencé, et là, Dixit, là, M. Coutu l'a raconté suffisamment de fois, il dit Moi, quand j'ai commencé, je un vendre vendu de pelules. Puis les pelules, tu ne faisais pas d'argent avec ça. Ça fait qu'il dit Il fallait que je mette toutes sortes de stocks, et, et je me souviens très bien, je ne paraphrase même pas, puis mettre les allées tellement étroites qu'en sortant pour aller à la caisse, les gens s'enfergent dans les petit gâteau, ils en tombe deux à terre, puis ils se sentent un peu gênés, puis ils te les achètent. Il disait même que je faisais mon argent. Mais mmh. ben là, je veux dire on a un entrepreneur ici. Il mmh. y, y en a plusieurs. Maintenant, ce que je déplore, c'est que, et j'espère que ces histoires-là seront mieux racontées mmh. que les histoires de ces précurseurs mmh. dont on a perdu la trace. Vous savez, une des choses que, 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 que j'ai apprises en faisant cette recherche-là, c'est que la première biographie, non pas portant sur l'entreprise Bombardier, mais sur Joseph Arthur Bombardier, euh, Joseph Armand Bombardier, pardon, euh, elle a été écrite en anglais, au Canada anglais, avant qu'elle soit écrite au Québec en français. Donc, ce sera peut-être le sujet de votre prochain livre. Jacques Nantel, merci beaucoup merci à vous. pour cet entretien. Merci.